Parmi les chanteuses de coupé décalé, selon toi, la plus stylée des filles, c'est qui? Elles sont toutes stylées. Tu vois, je vais dire le nom d'une. Les autres vont me prendre en ennemi. Moi, José, elle est stylée, elle s'habille bien. D'accord. Mais j'apprends beaucoup qu'elle n'est pas gentille. Quelle devient ta carrière musicale que tu as commencé à l'époque avec le single Muribayasa? Ah, pardon. Toute ma vie, je ne vais jamais souhaiter à mon pire ennemi même de chanter. Mais ça a été ton côté à l'époque, la guette. Non. Défendez, c'est vous qui l'avez côté à l'époque. Ça a été un piège. On m'a piégé. Ça y est. On dit ton ennemi, ton pire ennemi est toujours à côté de toi. C'était ce jour-là, j'avais mon meilleur ami qui était à côté de moi. Et c'est lui qui t'encourageait dans ton studio. On était. Doug Sabaga venait de mourir. Les Ogluman ont improvisé des chansons pour Doug Sabaga. Et je répondais seulement. Il a attrapé sa tête, il dit, mon Dieu, j'ai eu peur, je dis, mais à quoi? Il dit, oh, mais tu as une si belle voix. Donc c'est dans l'émotion et dans le feu de l'action. Et vraiment, j'y croyais. Et même pour aller en studio, il m'a complété. Et tout, même pour faire le clip, il a financé. Mais où j'ai su que j'ai fait du n'importe quoi, quand j'arrive en boîte, la piste est remplie. Et quand on met mon morceau, les gens quittent la piste. Et d'autres, même en allant s'asseoir, j'entends tchou. Donc maintenant, quand on rentre en boîte, je couche, je vais voir le DJ, je dis, ah, voilà 5 000 ou 10 000, il ne faut pas jouer mon morceau. Le DJ est étonné. On nous donne l'argent pour jouer les morceaux, et toi, tu me donnes l'argent pour ne pas jouer. Non, c'est là que tu as compris que le coupé décalé n'était pas facile. Parce que récemment, on a vu dans une émission de La Place, Savanala. Et lors de cette émission, elle a déclaré qu'elle n'était jamais sortie avec Al Moustapha. Ce qui s'est passé entre Savane et moi, dans les années, j'ai plein d'amis, il y a des témoins, il y a des gens, voilà. Et père à son âme, ma mère vivait encore, même quand ma mère est quittée à la Mecque, Savane et moi, on était pratiquement ensemble, on l'a accueillie.